Alors bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de la quatrième génération de Hyundai Tucson. On se rappelle qu'en Europe, seulement en Europe, la deuxième génération s'appelait iX35. Ce nouveau modèle disposera d'une large palette de motorisation, essence, diesel, tous deux accouplés à un système micro-hybride 48 volts. On aura également une version hybride simple. Et cette version hybride plug-in, la plus innovante que le concessionnaire a bien voulu nous confier. Ce véhicule rentrera bien évidemment en concurrence directe avec la référence en France, le Peugeot 3008. Alors, pas de conservatisme au niveau du style pour ce Hyundai Tucson qui évolue grandement de génération en génération. Pour cette quatrième mouture, on dispose de cette calandre en relief. On a ces feux diurnes qui, une fois qu'ils sont éteints, se confondent parfaitement avec la calandre. Ça, c'est assez moderne. On a également le bloc phare principal qui est élégamment intégré au bouclier. Et le capot moteur, il est bardé de nervures. Alors, de profil, on a affaire à un véhicule qui est assez original. On dirait presque un concept car, ce Hyundai Tucson. Avec des ailes extrêmement galbées qui mordent sur les portières arrière et avant, des gros coups de gouge au niveau de la carrosserie. Et puis, on dispose des passages de roues qui sont très carrés. Dans cette version plug-in hybride, on a les jantes 19 pouces, biton, striées. Et au niveau du vitrage, il est surligné par ce chrome qui va fondre un peu du plastique type alu qui va fondre au niveau des custodes. Alors la poupe est tout aussi intéressante dans son dessin, avec la petite lunette arrière qui est teintée. On dispose du bandeau lumineux avec des feux anguleux type 3D. On remarque le logo plug-in. On a également ce bouclier avec un motif en forme de losange et notre version d'essai dispose de la double sortie d'échappement chromée. Alors, bienvenue donc dans ce nouveau Tucson. Si on parle habitabilité, ce véhicule est très habitable pour un SUV compact. Et puis, on a un coffre qui n'a pas perdu énormément en capacité de chargement. Il a perdu à peu près 41 litres par rapport à une version classique. Là, on est dans la version hybride rechargeable. Et on a un coffre qui cube toujours 558 litres. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Et puis, on a le dessin de cette planche de bord. Je trouve que l'ambiance est assez zen avec ces grands aérateurs sur toute la largeur et avec une fonction clim diffuse. Alors, ça permet de diffuser effectivement l'air de façon plus agréable dans l'habitacle. Ensuite, on a cette instrumentation numérique de 10 pouces couleur avec un maximum de données. Et on a l'écran de 8 pouces. Alors, 8 pouces à la Réunion. Pourquoi ? Parce qu'on ne dispose pas de la cartographie Réunion au niveau de la navigation. Alors, l'avantage, par contre, c'est qu'on peut connecter deux appareils de smartphone simultanément. Alors, on a cette console centrale totalement sensitive. Et puis, bien sûr, tactile pour l'écran. Et sensitive autour de cet écran et au niveau de la clim. Au niveau du tunnel central, on a les boutons pour la boîte des vitesses et puis les modes de conduite éco, sport et puis on peut même se bloquer en mode EV. On apprécie également ce petit volant, vraiment petit, 4 branches. On va parler un peu technique. Alors, cette version hybride rechargeable se dote donc d'un Helitis TGDI, essence turbo de 180 chevaux, accouplé à un moteur électrique de 91 chevaux. L'ensemble, la puissance cumulée, c'est 265 chevaux. Beaucoup de couple,
Tout ça est associé à la transmission intégrale de série avec un arbre de transmission, donc une transmission intégrale tout à fait classique. Et on a la boîte automatique à 6 rapports. Le moteur électrique est alimenté par la grosse batterie de 13,8 kWh. Ça permet de faire jusqu'à, je crois, 56 km. Sur cette version hybride rechargeable, on est équipé de jantes en 19 pouces. Alors, on peut passer d'ailleurs en mode sport. On a les palettes au volant pour la boîte auto à 6 rapports. Mais il faut bien savoir que ce Tucson, évidemment, ce n'est pas la sportive, mais l'agrément de conduite, il est, je trouve, moi, permanent. Son gros problème, alors, c'est le poids. À l'accélération, ce poids, on ne le sent absolument pas, puisqu'on a un moteur qui pousse vraiment très bien. Alors, une boîte plutôt réactive. Néanmoins, en sortie d'épingle, on aura un petit temps de latence avant qu'elle rétrograde. Donc, on va avoir quelques à-coups. Mais elle répond très, très bien. Les performances sont ultra correctes. En tout cas, au niveau agrément de conduite, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, comme je vous disais, son vrai problème, c'est le poids, puisque en entrée de virage, on va avoir, vraiment si on pousse à la limite, bien évidemment, un véhicule qui va sous-virer. Et puis, en sortie de virage, quand les quatre motrices vont se mettre en action, alors là, par contre, c'est plutôt très efficace, sa motrice tout le temps. Donc on peut avoir une conduite très souple, surtout en mode électrique, hein, bien évidemment. Également en mode éco, avec un véhicule qui sera un tout petit peu moins violent. Mais on peut également s'amuser en mode sport avec deux, moi je trouve, très bonnes performances. Voilà, le seul petit hic, c'est voilà, ce poids, on le sent l'inertie quand on est sur chemin sinueux dans des virages serrés. Bien sûr, comme tous les véhicules hybrides rechargeables, hein, on aura une consommation très variable. Hein. Ça dépend de la charge de votre batterie, bien sûr. Sur très long parcours, allez, on va être entre 4 et 5 litres au 100. Et puis, juste pour aller travailler, hein, quand ça fait moins de 50 km, bien évidemment, on consommera absolument rien du tout. Voilà, il faut bien évidemment la recharger, prise domestique ou prise combo. Et ça se fait assez rapidement. Parce que sur une prise 11 kW, on va se recharger en allez, 1h30. Ce qu'on apprécie également, c'est l'insonorisation du véhicule. Hyundai a vraiment rendu ce véhicule très confortable au niveau sonore, au niveau des suspensions, hein, parce que malgré les jantes en 19 pouces, moi je trouve qu'il n'y a vraiment pas énormément de vibrations. Et aujourd'hui, dans notre version hybride rechargeable, on a les sièges électriques à mémoire, chauffant, ventilé. On a une excellente finition
Ça, de série. On a beaucoup de plastique laqué noir. Hein. Bon, bah, préparez les chiffons. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de ce Tucson plugin qui sera disponible à 54 000 euros. Si je me trompe pas, on a une gamme qui est une gamme de motorisation très large avec des moteurs essence, diesel automatiquement accouplés à un système micro-hybride. Ensuite, on aura la version hybride simple de 230 chevaux et cette version hybride rechargeable de 265 chevaux. Donc, on a largement le choix chez Hyundai. Donc, on a une gamme qui va commencer à partir de 41 000 euros. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.